Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean de Rideau. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Psychologie et créateur de l'application Zenfi. Bah voilà, en ce dernier week-end du mois d'août, mon cher Jean, on y passe. Hein, on va forcément parler de la rentrée, de ce mot qui nous fait trembler, dont les enfants flippent bien. Pas que les enfants d'ailleurs. Non, pas que les enfants. Ça, c'est important de le rappeler d'ailleurs. Ouais. Hein, s'ils font un club, les personnes qui déprime. Un club très élargi de 7 à 77 ans. Et même des enseignants. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais des amis qui étaient enseignants et c'était vraiment le moral dans les chaussettes quoi avant de c'est pas tout de suite hein c'est encore une petite semaine quoi exactement hein. Les enfants, les ados, ils ont encore une semaine de vacances et du coup c'est justement l'occasion de faire le nécessaire autant que faire se peut pour éviter justement d'être trop dans le blues de la rentrée, la déprime de la rentrée, éviter cette espèce de choc thermique comme ça où ça vous tombe dessus du jour au lendemain. On se prépare, on décélère. C'est ça, c'est quand même bien, vous l'avez dit, les enfants, pour les parents aussi quand même, ça fait du bien de préparer une phase de transition en fait, ça fait du bien. Alors comment on se prépare? J'imagine que ça passe aussi par les rythmes, etc. Ah bah alors là, vous mettez le doigt dessus. Déjà effectivement le mot préparer, parce que gouverner c'est prévoir, et donc il reste justement encore suffisamment de temps pour apprécier les vacances, tout en effectivement préparant la rentrée. Et vous l'avez dit Laurence, ça c'est vraiment un point important, les rythmes, notre cerveau est très très sensible au rythme. Alors le premier point c'est le rythme de sommeil, souvent on se décale pendant les vacances, donc là justement pas de choc thermique, faites une espèce de rétro-planning, voyez-vous. Des rétro-planning, tableau Excel, couché. Pas tableau Excel, faites ça à l'ancienne avec un papier, un crayon, ça marche très bien. C'est vrai. Simplement sans but, pas de tir au but, donc si vous voulez vous mettez l'heure à laquelle il va falloir vous lever un de ces jours, on va dire, dans longtemps, pour regarder comment ça se passe aujourd'hui, et puis voilà, progressivement vous vous recalez comme ça à chaque jour davantage vers vos rythmes de sommeil, on va dire, traditionnels quoi, pour l'année. Le deuxième point, justement, c'est encore un rythme, ce sont les rythmes alimentaires. Là aussi, souvent en vacances, on se décale. Et donc là aussi, pour votre corps, pour votre cerveau, ça va faire du bien de vous recaler sur des rythmes, on va dire, plus habituels. Mais on ne fait pas de façon brutale, quoi. Il faut que ça soit progressif. Ben non, alors vous pouvez le faire, mais justement, là, vous êtes dans le choc, quoi, vous voyez. Donc après, on n'est pas bien, on est brassé, vous voyez, on a faim quand on n'a pas au bon moment, ou le contraire, vous voyez. Donc c'est pas agréable. Et puis le troisième point, si vous le sentez, ça va être aussi de réintroduire en douceur des éléments de votre garde-robe qui rappelle que voilà, que bientôt ce ne sera plus les vacances. Ah, on oublie les tongs et on se met déjà. Là aussi en douceur, vous pouvez de temps en temps mettre des chaussures dans la journée, vous voyez, parce que en plus, mais vous mettez le point sur un doigt important, ou l'inverse, c'est que quand on a été en nu-pied tout l'été, ou même pieds nus. On a pris leur largeur. Sans blague, on ne supporte plus les chaussures. Donc voilà, effectivement, une petite transition. Aussi au niveau de la garde-robe, ça peut aider le cerveau à s'acclimater. Écoutez, je vais y penser. C'est valable pour les parents comme pour les enfants, mais est-ce qu'il y a des petits conseils spécifiques pour les enfants On peut effectivement rappeler des points essentiels pour les enfants, tout en soulignant que ce qui est bon pour les enfants, c'est bon aussi pour les parents, et tout en rappelant également que ce qui est bon à l'aube de la rentrée, en fait, c'est bon toute l'année, si vous voulez. Sur les rituels, le matin, c'est vraiment bien que l'enfant reprenne l'habitude de prendre son petit déjeuner, de se brosser les dents. Il ne s'est pas lavé les dents. On ne sait pas. Voyez, ça, c'est bien toute l'année. Mais voilà, s'il y a eu un peu de laxisme, un peu de laisser-aller pendant l'année, c'est bien de le remettre d'aplomb. Puis s'il peut peut-être un peu ranger ses jouets, voyez, parce qu'à l'école, après, on leur dit il faut ranger les choses. Donc voilà, de le faire en douceur. Évidemment, deuxième point, chaque jour, une activité cognitive et ludique, parce que quand même c'est mieux quand on s'amuse, on va dire autour d'une demi-heure idéalement. Ça peut être une recette de cuisine que vous réalisez avec l'enfant, parce que ça peut même aider à réviser les proportions, les quantités, les équivalences, les transformations, les conversions. Donc ça c'est très bon. Ça peut être du bricolage, vous bricolez un cerf-volant, c'est rigolo, et puis vous révisez de la géométrie, vous faites un plan, tout un tas de trucs, c'est sympa. Et puis évidemment les jeux de toutes sortes, les jeux de cartes, les mots croisés, sudoku, échecs, tarot, bridge, backgammon, tout ce qui va vous permettre de vous amuser en faisant travailler votre cerveau, ça fait le plus grand bien. Et puis le troisième point, on a fait la tête, après c'est les jambes. Il faut sortir tous les jours de l'exercice physique, une activité, ça fait du bien, ça aère et ça évite d'être sédentaire. Ouais. Comment on peut expliquer d'ailleurs cette histoire de blues de la rentrée dont on parle à chaque fois C'est-à-dire que comment l'expliquer, c'est que les vacances c'est bon, on va pas se mentir. C'est un fait que c'est une réalité, quoi. C'est quand même difficile de se remettre. Vous savez que travail, ça vient quand même
même de la racine tripalium en latin, c'était le supplice du pal, hein, quand même. Hein. Donc il y a quand même un truc dans l'imaginaire collectif. Voilà, certes, il faut le faire. Et comment l'expliquer? Pardon, c'est vrai, en vacances, on joue beaucoup. Nous sommes des mammifères sociaux de la famille des grands singes. Et typiquement, les singes, ils passent 40% de leur temps à chercher de la nourriture. Donc c'est une forme de travail, en fait. Le 60%, le reste du temps, eh ben, ils ne travaillent pas, ils jouent. Hein. Ils s'amusent, voilà. Non, mais c'est un fait que parfois on peut se demander, la révolution agricole, c'est bien, mais voilà, ça nous oblige de travailler, donc ça s'explique comme ça. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au boost de la rentrée, et là c'est important de vous faire du bien, d'accepter que voilà, vous n'êtes pas des supermans ou des superwoman. Voilà. On fait une rentrée en douceur, on n'est pas obligé de se fixer encore une fois des caps et des objectifs. On prend le temps du temps. Exactement. Allez, ce sera le sage conseil de Jean Dorido. Merci beaucoup, et puis belle rentrée aussi à vous. Merci Laurence. Bonne rentrée, que du bon. Voilà, à très vite. Il y a de la magie en vous, c'est votre livre chez Dunod. Merci. Merci Laurence.